Allah subhanahu azza wa jal khalaqana mu'minin. Mes chers frères, Allah subhanahu azza wa jal, il nous a créés croyants, mu'minin, muslimin. Allah subhanahu azza wa jal, ya ikhwa, a'tana shay lam yu'tihi abadan li ayyu nas qablana aw li ayyu ummatin qablana. Mes chers frères, Allah ta'ala nous a donné quelque chose que cette chose-là, Allah ta'ala ni l'a donné aux communautés qui sont avant nous, ni aux gens qui sont venus avant nous. Ayyuhul ikhwa, ma huwa hadha ash-shay? C'est quoi? Allah subhanahu azza wa jalla, ya ikhwa, kana yursil al-anbiya. Allah il a envoyé les prophètes. Wa ma'a kulli nabi taqriban mu'jiza aw mu'jizat. Avec chaque prophète, Allah ta'ala lui a envoyé des miracles. Que ces miracles-là, c'est pas la portée des êtres humains. Pour prouver que cet être humain-là, ce prophète, il a été envoyé par Allah. Hadhihi al-mu'jiza min kalimat 'ajaza ya'jizu. يعني هذا النبي موسى عليه السلام ou bien عيسى عليه السلام ou bien سليمان أي نبي جاء بمعجزة. Pour que son peuple croit en lui, il lui demande des miracles. Et ce miracle-là, il amène ce prophète pour faire montrer aux gens que la différence qu'il y a entre moi et vous, c'est que moi je suis prophète. Et la preuve que je suis prophète, regardez ce miracle qu'il y a entre mes mains. هذه المعجزة. لكن يا إخوة تلاحظون, vous remarquez que tous les prophètes, كل الأنبياء الذين سبقونا وجاءوا قبلنا, tous les prophètes qui sont venus avant nous, Allah عطاهم معجزات. ولكن qu'est-ce que vous remarquez dans ces معجزات de tous les prophètes qui sont avant nous? Premièrement, أولا أن كل المعجزات لدى الأنبياء قبلنا كانت مخلوقة. C'était des miracles créés. La canne de Moïse, c'est une créature. La main de Moïse, quand il la mettait dans sa poche et il sortait blanc, c'est une créature. Isa alayhi salam, il faisait revivre les morts. Isa, c'est une créature. Suleyman alayhi salam, il commandait le vent. C'est une créature. Daoud alayhi salam, Allah il lui a donné la faculté de faire le fer. Le fer, il devient dans ses mains comme de la pâte. Kana Allah alanna lahu al-hadid li Daoud. ولكن الحديد مخلوق اي داود مخلوق وهكذا قيس على جميع المعجزات. Tous les miracles qui sont venus, les prophètes avant nous, ils sont venus avec des miracles, mais ces miracles-là, c'est des créatures. هذا شيء الأول. الشيء الثاني, كل المعجزات لدى الأنبياء انقرضت لما ينقرض هذا النبي تنقرض هذه المعجزة. Chaque prophète, لما جاء بهذه المعجزة, quand il est venu avec ce miracle, le prophète, quand il meurt, le miracle part. Part. Où est la canne de Moïse? Où est le vent? Où il est? Quand le prophète meurt, ce miracle-là meurt avec lui. Ou disparaît. لكن يا إخوة, Allah subhanahu azza wa jal اختار لهذه الأمة. Allah, il a choisi à cette communauté de lui donner les meilleures paroles. أفضل الكلام. وكلام الله يتفاضل. يتفاوت. فالله تعالى اختار لنا أفضل الكلام. الله nous a choisi les meilleures paroles d'Allah. وأحسن وأفضل كتاب. Il nous a choisi le meilleur livre. Et Allah تعالى il a choisi أفضل وأحسن وأعز ملك. Il nous a choisi le meilleur des anges. Et Allah سبحانه عز وجل اختار لنا أفضل لغة. Et il nous a choisi, Allah Ta'ala, la meilleure des langues, la langue arabe. Et Allah Subhanahu Azza wa Jal, ikhtara lana. Hada al-Quran, Allah Ta'ala, ikhtara lana. Mada? Hada al-Quran, yanzil ala afdalu khalq. Allah, il a choisi ce Quran et descend sur la meilleure créature. Man? Moi j'ai oublié son nom, man? Muhammad alayhi salatu wa salam, sallu ala nabi. Sur le meilleur homme, sur le meilleur être, créature, Muhammad alayhi sallam. Wallahu ta'ala ikhtara lana afdalu shahr. Dans le meilleur du mois, c'est quel mois? Le mois de Ramadan. Wallahu ta'ala ikhtara lana afdalu layla. La meilleure nuit, c'est laquelle? La nuit du destin, laylatul qadr. Wallahu subhanahu azza wa jal ikhtara fi hadha al-Qur'an ikhtara lana afdalu al-buq'a. Le meilleur des endroits, c'est lequel? La Mecque.
Kaaba. Ou Allah subhanahu azza wa jal, il a fait descendre son Coran dans le meilleur membre du corps de l'être humain, c'est le cœur. Allah ikhtara afdalu avu. Allah ma nazal al Coran ala al-yad. Il n'a pas fait descendre le Coran sur la genou ou la cuisse. Allah, il a choisi de descendre le Coran sur le meilleur membre de toi. C'est quoi? Le cœur. Et c'est ce qu'a dit le Nabi Hashem, le cœur. Qu'est-ce qu'a dit le Nabi Hashem? Il a salahat. صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. Tu as dans ton corps une bouchée de viande. Si cette bouchée de viande elle est bonne, elle rend le corps entier bon. Et si cette bouchée de viande pourrie, elle rend tout le corps pourri. انظروا يا اخوه هذا الكلام هذه المقدمه. Je viens à vous dire qu'Allah Ta'ala il a choisi à notre prophète Mohammed alayhi salatu wasalam un miracle عجيب. C'est quoi ce miracle? Mohammed alayhi salatu wasalam ou mamad? Il est mort. Mat al-Nabi, matfoun. Aïna, en Arabie Saoudite. C'est le seul prophète qu'on sait, il est où? Hadi mu'jiza ukhra. Al-Nabi al-Wahid qu'on sait, il est où? Il est matfoun fi Saoudia. Le reste des prophètes, on ne sait pas. Aïna Moussa. Aïna Isa. Aïna Ibrahim. Aïna Ismaïl. On sait à peu près les endroits. Aïna matfounin. Lakin l'endroit, bazzabt, aïna? Allahu a'lam. Le seul qu'on sait son endroit. الوحيد الذي ندري ونعرف أين مدفون هو حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه معجزة أخرى. فالله سبحانه عز وجل يا إخوة اختار للنبي والرسول يقول في الحديث ما من نبي بعث إلا وأوتي من الآيات ما آمن عليه البشر. Chaque prophète qui est venu, Allah lui donne des miracles, que ces gens-là ils croient à ce miracle, ils deviennent musulmans, ou ils croient pas à ce miracle, ils deviennent kuffar. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما أنا فإنما الذي أوتيته وحي من الله. لكن النبي يقول مي موا سو كان الله ما دوني إل ما دوني لا ريفيلاسيون. يعني ماذا؟ لو ميراكل د الله سبحانه لو ميراكل دو بروفيت عليه الصلاة والسلام هو الله. أي معجزة إلي فين البروفيت؟ إلي فين كان ميراكل؟ أيك نو كان؟ نو. أفيك إن مونتاني؟ نو. Avec une chamelle, naqa, non. Avec un kubsh, un bélier, non. Il guérissait les malades, oui, mais c'est pas ça. Avec quel miracle est venu votre prophète? L'autre prophète, il est venu avec un miracle, c'est Allah lui-même. Parce que kalamullah, le Coran, c'est kalamullah, sifa min sifatihi. Parce que le Coran, c'est les paroles d'Allah. Qui dit les paroles d'Allah, dit Allah. Fait le prophète, son miracle, c'est qui? C'est Allah. Yani, c'est comme si Allah Ta'ala disait au prophète, vas-y, tu es un prophète et le miracle, je suis avec toi. Ana ma'ak. Hadi mu'jiza kubra. Wa hadha an-nabi ya ikhwa. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala lui a donné? Kanu al-umam, les prophètes avant nous, ils descendaient le kitab jumlatan wahida. Moïse, il lui est venu la Torah entièrement. Kamla, darba wahda. Wa l'injil, l'évangile, nazala ala Isa darbatun wahida. لكن notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام الله lui a fait descendre le Coran doucement, doucement. Il faut que vous sachiez une chose. Le Coran il est descendu de l'Lawh al-Mahfouz min indillah jusqu'au premier ciel qu'on appelle Baytul Izza. Il est descendu entièrement le Coran. نزل القرآن من فوق سبع سماوات من عند الله حتى السماء الأول أو الأولى jusqu'au premier ciel. Et le premier ciel, on l'appelle Baytul Izzah. Chaque ciel a son nom. Le premier ciel, nous sommes Baytul Izzah. Tout le Coran, il est descendu. Et après, du premier ciel jusqu'à sur terre, sur le prophète, il descendait selon les événements. بعد ذلك كان ينزل رويدا رويدا. فقالوا الكفار يا محمد لماذا ما أنزل عليك القرآن جملة واحدة. Pourquoi n'était pas descendu le Coran d'un coup, comme ils ont fait tes frères, les prophètes? فأنزل الله سبحانه عز وجل ماذا قال؟ وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك الله تعالى وتعالى في ديسان غدو سمان بخوا كذلك لنثبت به فؤادك يا محمد أنت في ديسان غدو القرآن دوسمان دوسمان سي pour apaiser ton cœur. Si on te l'aurait fait descendre d'un coup, tu n'aurais pas pu supporter.
On te l'a fait descendre doucement, doucement pour que ça vous facilite de l'apprendre. On vous l'a fait descendre doucement, doucement pour que ça vous facilite à le comprendre. On vous l'a fait descendre doucement, doucement pour que vous puissiez le pratiquer. Si on l'aurait fait descendre d'un coup, vous ne pourriez pas. Parce que c'est les paroles d'Allah. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Muzammil, « Inna sanulqi alayka qawlan thaqilan » Lourd, tu ne peux pas le supporter. La preuve, les cinq premiers versets qui sont descendus sur le prophète, « Iqra, Iqra. » Jibril alayhi salam masak al-nabi wa dhammahu dhamma shadida ila sirri. Il dit lis. Qalu la ma ana biqari, je sais pas lire, ya Jibril, tu le sais autant que moi. Tu le sais que je sais pas lire, ya Jibril. Wallah ya'lam anni la aqra ana ummi. Je sais pas lire. Et ça c'est notre mu'jiza, un autre miracle qu'Allah il a fait notre prophète, il sait ni lire ni écrire. Par rapport aux autres prophètes, il savait lire et écrire. Notre prophète à nous Muhammad alayhi salam, il sait ni lire ni écrire. Et je vais vous en donner la preuve. Allah subhanahu wa ta'ala Anzala Jibril Nazala Figar Hira dans la grotte. Et le prophète il aimait aller dans la grotte contempler la création d'Allah. فَنَزَلَ يَوْمْ مِنَ الْأَيَّمْ أَوْ لَيْلَ مِنَ الْلَيَالِ. Vous savez comment ثَبَتَ فِي الْحَدِيثَ الصَّحِيحِ فِي الْبُخَارِي كَانَ النَّبِي يَخُذُ الطَّعَامِ يَتَزَوَّدْ مِنَ الطَّعَامِ بخنين de la bouffe. وَقَالَ إِبْنُ حَجَرْ ça c'est les traces de l'i'tikaf. Ça prouve que l'i'tikaf existait bien avant nous. La preuve, le prophète, il faisait, il prenait la nourriture, et il montait dans la grotte. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la grotte pendant des jours et des nuits? Il restait dans la grotte et il contemplait la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الذي نفعله نحن اليوم في الاعتكاف عشرة الأيام الأخيرة من رمضان. فكان النبي يأخذ الطعام ويذهب إلى الغار. Il n'était pas encore prophète, ما كان نبي. ولكن حبب إليه الخلاء. Le prophète, il aimait la solitude, il aimait parce que tous les gens ils adoraient les statues, qu'ils aimaient le khna, zina, le khamar. Rasoul s'isolait, il était dans le coin, il chauffait le Kaaba, il regardait les cieux, il regardait les étoiles. Kan yatadabbar fi khalq as-samawati wal ard. Et voilà qu'une nuit, c'est pas une nuit ordinaire comme toutes les autres. Ma kanat hadhi layla mithl al-layali as-sabiqa. Fa nazala khalq min khalq Allah. Il est descendu une créature des créatures d'Allah qui s'appelle Jibril, que vous le connaissez tous, et qui s'appelle Ruh, l'âme. Pourquoi Allah Ta'ala l'a appelé Ruh? Parce que Jibril nous a fait descendre la chance pour qu'on revit. Cette chance, c'est le Coran. C'est pour ça qu'Allah lui a fait honneur, il l'a appelé le vivant. Parce que lui nous a fait descendre le Coran, hatta nahya nahnu, pour qu'on revit nahnu. Hatta anta fi ruku' wa sujud, dans l'inclinaison et la prosternation, le prophète il disait comme dua, subuh, le parfait, qudus, le pur, rabbul malaikati, والروح الله تعالى لا بلي جبريل روح تنزل الملائكة إن أنزلناه في ليلة القدر جسكا كالله تعالى جي تنزل الملائكة les anges descendent تنزل الملائكة ça suffit. جبريل fait partie des anges لكن الله il veut montrer que جبريل il a quelque chose de haut que les autres anges تنزل الملائكة والروح فيها et جبريل parmi eux الله تعالى toujours il porte honneur à جبريل. C'est lui qui descendait les ordres d'Allah et les révélations, etc. فهذا النبي يا إخوة نزل جبريل وضمه ضم شديد إلى السخي. Il lui a dit lis. Le prophète عليه الصلاة والسلام أمي c'est ni lire ni écrire. Il قلوا ما أنا بقاري. Jusqu'à qu'il transpire. حتى يقول النبي على نفسه حتى كدت أجهد. Jusqu'à que j'allais mourir. Ma respiration est coupée. ثم يسرح جبريل يطلقه. Il le lâche, jusqu'à qu'il respire. Et il resserre Jibril. Ya Muhammad, il resserre. Iqra. Il resserre, mais fort. C'est Jibril, ya khi, c'est pas un ordine, c'est Jibril. Hein? Jusqu'à que le prophète, il va pour s'étouffer. Lis. Fa yaqul lahu le prophète, mais je t'ai déjà dit, je sais pas lire. Regardez la sagesse, pourquoi trois fois ça a été fait. Qalu l'ulama, limadha thalatha marrat, wa Jibril yadhammuhu dhamma shadida, wa yutliquhu, limadha. Pourquoi? لأن الله سبحانه عز وجل il a voulu préparer le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ الله تعالى هيأ المكان والوضع والزمان للنبي عليه الصلاة والسلام للتلقي كلامه سبحانه عز وجل. الله il a préparé le prophète. Tu as vu cette coupe? Tu as vu cette chose qui a été difficile pour toi? Tu as vu quand tu t'as serré Jibril? C'était pénible pour toi? Ce mal que tu avais?
Attention, ya Muhammad, je vais descendre sur toi le Coran, et quand il va descendre sur toi, tu vas te sentir mal, comme Jibril quand il te sert. Il, Allah Ta'ala, il a préparé le prophète, alayhi salam. Thumma qala lahu iqra. Lis. Et dans la langue arabe, lis, ça veut dire lire. Mais ça ne veut pas dire que lire. Ça veut dire aussi lis. Lis dans les créations des cieux et des terres. Iqra, iqra. Mada fi samawati wal ard. Mada fi kaza. Mada iqra fi nafsik. Lis en toi-même les miracles qu'Allah. Iqra, ça veut dire regarde, lis. Fallah Ta'ala qala lahu iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق جسكو سنكيم فيرسي بهذه الآيات الخمسة النبي صار نبيا avec ces cinq versets là le prophète il est devenu prophète pas messager مازال ليس برسول نبي فقط jusqu'à que vous connaissiez l'histoire il est descendu en tremblant etc mais ça c'est pas mon histoire فهذا القرآن يا إخوة بعدما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وذهب يخاطب كفار قريش Et il a commencé à parler kuffar Quraysh. قالوا يا محمد أنت أنت تأتينا بهذا الكلام إن هي إلا أساطير الأولين. Ça c'est que des tu as dû bouquiner auparavant dans des livres qui sont venus avant. يا جماعة يا جماعة أنتم تعلمون أنا ما أقرأ ما أكتب. C'est attribué à toi les rabbatni. C'est attribué à toi les rabbatni qui m'a allaité. C'est attribué à toi qui m'a adopté. وأنا بينكم أعيش. لقد لبثت فيكم عمرا من قبلي. Allah il dit sur le prophète, j'ai vécu parmi vous des années, un bon moment. Ne vous êtes pas conscient? Afala taqilun ana ajbinatkum ma aqra ma aktub. Kayfa taqulu asatir al-awwalin? Comment vous dites je vous transmets des paroles des ancêtres? Ana ma aqra, où je suis moi? Thumma qalu kuffar quraish, nubaddil al-hila, on change la hila. Fa qalu kuffar quraish, nahnu il faut qu'on passe kalam حتى نسقط هيبة القرآن. Il faut qu'on pousse les gens à ne pas écouter ce Coran. فقالوا بعضهم بعض كفار قريش ils ont dit entre eux. يا محمد هذا القرآن que tu dis là c'est le forgeron qui te l'apprend. Il y avait un forgeron qui forgeait كان حداد كان يصنع السيوف والأطراس طرس و il y avait un forgeron qui fabriquait des épées des boucliers etc. Et ce forgeron, c'était un perse, Ajami. Quand on dit le mot Ajami, tout ce qui ne parle pas l'arabe, on l'appelle Ajami. Ou tu es arabi, tu parles l'arabe, c'est pas je comprends, tu parles l'arabe, tu es arabi. Celui qui ne parle pas arabi, on l'appelle Ajami. Même si tu es de la famille du prophète. Madame, la tatakallam al-arabi, anta Ajami. Tayyib? Faqalu kuffar Quraysh, waqalu alladhina kafaru, mada qalu? قالوا بعضهم بعضا رأيتم الكلام الذي جاء به النبي vous savez les paroles qui est venu avec le prophète هذا c'est le forgeron qui lui apprend ces paroles فالله سبحانه عز وجل نزل آيات فقال لهم يا عجبا يا كفار قريش أنتم تقولون إنما يعلمه بشر vous dites que celui qui lui apprend ça c'est un être humain الله تعالى dit هذا الرجل que vous êtes en train de parler de lui لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. Celui dont vous parlez de lui, c'est un perse, il comprend même pas l'arabe. Il sait même pas lire l'arabe. S'il ne sait pas lire l'arabe, s'il ne comprend pas l'arabe, comment il peut vous amener un Coran en arabe pur, 100%. هذا لا يعقل. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وهذا, il est entre vos mains, وهذا لسان عربي مبين. C'est pas possible. Ça coïncide pas avec ce que vous dites. فبدلوا الحيلة. قالوا طيب. قالوا هذا الكلام لعله أعجمي آخر. C'est un autre qui lui apprend. بلك c'est اليهود. بلك. فقال الله سبحانه عز وجل ولو أنزلناه قرآنا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. Allah Ta'ala dit au kuffar Quraysh, si on aurait fait descendre le Coran, autre langue que l'arabe, vous aurez dit, on ne comprend pas l'arabe, il faut que ce Coran soit détaillé, on ne comprend pas. Alors si vous ne le comprenez pas, alors comment vous prétendez que c'est celui qui lui apprend le Coran, c'est le forgeron. Thumma qala Allah Ta'ala dans un autre verset du Coran, Allah Ta'ala yaqul, walau anzalnahu Qur'anan a'jamiyan faqara'u alayhim ma kanu bihi mu'minin.
Et si on aurait venu à descendre un Coran, un livre qui ne serait pas en arabe, ils n'auraient pas cru en lui. Il parle de Kuffar Quraysh. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'arabe. Hatta maintenant, Kuffar Quraysh, ils vont changer leur stratégie. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Rahi beddelu l'hila, ou dabru l'hila, ukhra, mu'amara, maza qalu, yakhulu ya Muhammad. Bon, nous on t'accepte, mais à une condition. Nahnu naqabluk, tsahab shart. Beddel alina hada l'kitab, hada l'Quran, beddelu. وقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا يجيز الكفار ceux qui n'espèrent pas la rencontre d'Allah يوم القيامة il est été بقرآن غير هذا أو بدله أمان un autre Coran que celui-là ou bien change-le هذا قرآن آخر ائتي بقرآن غير هذا أو بدله في سورة يونس الله تعالى le prophète il leur répond قل لهم الله تعالى يجيب prophète قل لهم أجيبهم يا محمد قل لهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. Je ne peux pas le changer de moi-même. C'est pas mes paroles à moi ça. إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. Moi je ne suis que la révélation qui descend sur moi. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. J'ai peur que si je viens à changer les livres, à changer le kalam, Allah Ta'ala va me châtier un châtiment عظيم, immense. ولو شاء الله. Le prophète il leur dit au kuffar Quraysh, et si Allah il aurait voulu, walau sha Allah, ma talawtuhu alaykum, wa la adrakum bih, faqad labithu fikum umran min qablihi afala taqilun. J'ai vécu parmi vous, si Allah il aurait voulu, ni je vous l'aurais lu, et ni j'aurais su rien du tout si j'ai du Coran, parce que j'ai vécu parmi vous, vous le savez très bien. Quand ils ont désespéré kuffar Quraysh, ils se sont passés le message entre eux. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. N'écoutez pas ce Coran. والغوا فيه. Soyez occupés, soyez distrait. ولا تتركوا أنفسكم تسمع لهذا القرآن. عليه الصلاة والسلام يقول لهم: J'ai vécu parmi vous. فكفار قريش قالوا: إذا n'écoutez pas ce Coran. Parce que ce Coran là il est dangereux. Il va rentrer في قلبك même si tu ne veux pas. عجيب. القرآن هذا كلام الله. Il transperce ton cœur. فهمت؟ Il transperce ton cœur ويدخل فيه كلام الله ولو لم تقبله. والحديث في البخاري عن جبير بن مطعم أو مطعم بالكسرة إن شئت فكان هو كافرا فسمع بعض الآيات. Quand il a entendu des versets alors qu'il est كافر, il a dit كاد قلبي يطيش. هي من أواخر سورة طور. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Est-ce que c'est eux qui se sont créés eux-mêmes ou c'est eux les créateurs? Est-ce que les cieux et les terres ils ont été créés comme ça ou c'est eux les créateurs? Enfin les versets, quand il a entendu Jubair ibn Mut'im, il dit j'ai entendu ces versets, كاد قلبي يطيش فلما أسلم, après qu'il est rentré dans l'islam, أخبر بها. و حديث آخر encore mieux, حديث في البخاري. Lisez les derniers versets de Sourate l'Étoile, ou Najmi Ida Hawa. Les derniers versets. Kana al-Nabi yaqra al-Qur'an fi al-Ka'ba, fi al-Masjid al-Haram. Il lisait, il y avait quelques compagnons autour de lui. Kana bi hawlihi aw yuhatu bihi ba'd ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et derrière les compagnons, il y avait la clique du kuffar Quraysh. Abu Jahl et toute la clique. Fa an-Nabi kana yaqra al-Qur'an. Afa min hadha al-hadith ta'jabuna وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Le prophète, quand il est descendu ce verset, avec ces paroles-là, vous vous amusez et vous êtes distrait et vous rigolez et vous ne pleurerez pas. Vous pleurez pas quand vous entendez ces versets. فاسجدوا, ordre d'Allah. Il a dit au prophète, فاسجدوا, prosternez-vous et adorez votre Seigneur. فقال الحديث اللي في البخاري فقال عبد الله بن عباس فسجد النبي وسجد الصحابة وسجدوا قريش كفار قريش سجدوا. Ils se sont même pas rendu compte jusqu'à qu'ils se sont retrouvés hum sajidin. Lisez le dernier verset de sourate النجم. فسجدوا لله واعبدوا. شوف كلام الله. ولهذا يا إخوة, avant que je vais vous donner les récompenses du Coran, لازم نتكلم عن القرآن الذي لا يقرأ القرآن ماذا أعد الله له. Après je vous donnerai celui qui le Coran, qu'est-ce qu'Allah lui donne. يا إخوة, خمسة أشياء
Celui qui ne lit pas le Coran, Allah le punit de cinq choses. Il y en a dans ce bas monde, il y en a au-delà. Awalan, écoute bien, c'est pas la peine de chercher Ruqiyya. C'est pas la peine d'aller voir les frères, je leur dis faites-moi Ruqiyya, je suis malade. Écoute bien, le plus grave problème qu'on a nous, c'est parce qu'on s'est écarté du Coran. Coran fait shifa, Coran fait nour, Coran fait baraka. Coran, il a baraka, satisfaction, il a la guérison, il a la lumière, il a la guidée. Lakin, quand on s'est écarté du Coran et on l'a remplacé par les revues et les journaux et la télé et les DVD et la PSP et la PlayStation وَتَأَخَّرْنَا عَنِ الْقُرْآنِ فَلَمَّا تَأَخَّرْنَا عَنِ الْقُرْآنِ فَتَأَخَّرْنَا فَأَوَّلًا celui qui ne lit pas le Coran, Allah Ta'ala, il te colle à tes trousses. Je ne parle pas de shaitan qui circule dans ton sang. أنا ما أتكلم عن الشيطان الذي يجري مجرى الدم شكاً دلولا شيطان دان سونا انتبه هذا لا نتكلم عنه نتكلم عن الشياطين الخارجة خارج الجسم الشياطين كي سنتوه الذي لا يقرأ القرآن الله تعالى يقرن له il lui colle un شيطان il est avec toi 24 heures sur 24 بأي دليل ايش هذا الكلام mon frère tu es en train de dire des paroles dangereuses c'est quoi ça نعم ولهذا يا إخوة البروفات نجد الحديث ميفيبو دو الشيطان يحضر الشيطان أحدكم في كل شيء رسول الله جيد dans toute chose on comprend le français quand on dit dans toute chose بالعربية في كل شيء نكرة نكرة تفيد العموم dans toute chose tu veux t'accouler il est là tu veux boire il est là tu t'habilles il est là t'amchat il est là tu sors de la maison il est là tu rentres à la maison il est là. Tu regardes la télé, il est là, même en dormant. Tu crois qu'il te laisse dormir tout seul? Il khallik turgud hakada, tranquille? Ma, il khallik turgud, shaitan. Il te laisse pas dormir sans qu'il te file un sihar du poison, de la sorcellerie. Il sihrak, ou ba'din nurgud ala ra. Le hadith est sahih, ne vous étonnez pas. Al shaitan, le rasoul alayhi sallam, m'a dit dans le hadith? Iza awa ahadukum ila firashi. Quand l'un de vous il va dormir, qui lit? Il lit quoi? Il lit qu'il est Allah trois fois. Et qu'il a'oudou bi Rabbil Falaq trois fois. Et qu'il a'oudou bi Rabbil Nas. Et il fait des invocations. Pourquoi? Parce que pour pas que la sorcellerie qui va te faire shaitan, elle te colle. Lima. L'anna al-Nabi yaqul, al-shaytanu yadribu ala qafiyati ahadikum thalatha idha nam. Chacun de nous, quand il va pour dormir, shaitan lui met une claque dans la nuque et lui dit dors, la nuit est longue. Et tout en frappant, avant qu'il drop, il te fait trois nœuds. وَمِنْ شَرِّ نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ نَفَّاثَاتِ les nœuds فِي الْعُقَدِ Il frappe sur ça. Urqad, le plus grand sorcier, c'est Shaitan. Urqad, la nuit est longue. وَلِهَذَا النَّبِي dit, celui qui dort, حَتَّ الصَّبَاحِ الَّذِي يَنَام celui qui dort jusqu'au matin. Il y a des ulama, ils ont dit, c'est celui qui ne fait pas Qiyam al-Layl. Il y a des ulama, ils ont dit, non, c'est celui qui ne fait pas Subh. Taïb, ma'a ani amil akhukum al-da'if, moi je penche avec les ulama qui disent, celui qui ne fait pas Qiyam al-Layl. Man nama hatta yusbih, celui qui dort jusqu'au matin. Dhaka rajulun bala shaytan fi udunay. Ça c'est un homme dont le shaytan il a uriné dans ses oreilles. Et l'ihada al-Nabi te dit, إذا استيقظ أحدكم quand il se réveille qu'est-ce qu'il fait يذكر الله quand il invoque Allah un œil s'ouvre sauf les invocations la force qu'ils ont tu es ensorcelé عليك بالأذكار رسول dit quand tu te réveilles du sommeil تذكر الله le premier œil s'ouvre تنحل العقدة الأولى وإذا توضأت voilà شيطان n'aime pas l'eau il n'aime pas l'eau لأن مخلوق من النار أنت تذهب تتوضأ ولهذا النبي يجي ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Il n'entretient les ablutions qu'un croyant. Il n'entretient les ablutions, ça ne veut pas dire que dans la période de prière, non. C'est-à-dire, si tu peux 24 heures sur 24 rester en ablution, fais-le. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Madame, أنت متوضي شيطان لا يقربك. فإذا قمت من النوم, quand tu te réveilles, وتتوضى, انحلت العقدة الثانية. La deuxième. وَإِذَا قَامَ يُصَلِّي الْوِتَرْ أَوْ دُرَكْعَاتْ Ou plus, إِنْ حَلَّتَ الْعُقْدَةُ الثَّالِثَةَ Le troisième nœud s'ouvre. Avec les invocations, avec les ablutions,
avec la prière. فَأَنْتَ خَلَاسْ حَلِّتْ نَفْسَكْ مِنَ السِّحَبْ وَقَالَ النَّبِي فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. Le prophète dit فَأَصْبَحَ نَشِيطًا, il est en pleine forme, il est bon en lui-même. Je vais vous dire une parole que je ne devrais pas vous la dire. J'ai l'habitude de vous dire testez, mais c'est عيب. حَتَّى نُصُلَ الدَّرَجَ نَقُلْ جَرِّبُوا يعني كأننا نشك في كلام النبي هذا عيب عيب علينا كثير. فالرسول dit celui qui fait la prière de subh il se réveille en pleine forme. Wa illa, celui qui se laisse aller, il n'a pas fait subh, son penche avec les ulama qui disent ça subh, ou bien celui qui n'a pas fait qiyam al-layl, son penche avec les savants qui ont dit qiyam al-layl, fa asbaha khabithun nafs. Khabith, ça veut dire quoi? Le mec qui se réveille, il boude. M'chennef, m'digoudi. Faut pas parler avec lui. Il démarre au quart de tour. Allez, c'est plus fort que lui. Khabithun nafs. Casse pas la tête. فأولا يا أخوة الذي لا يقرأ القرآن الذي لا يقرأ القرآن الله lui colle un شيطان جن حتى il en arrive à faire les rapports avec toi حتى لما تجامع أهلك فهو يجامع معك وإذا قدر الله ولدا فهذا الولد منه إنس منه جن. C'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui des enfants عندهم صفات شيطانية. Ils ont des défauts, si je puis dire, de qualité, des défauts de shaitan. C'est pas moi qui le dis. Le prophète, alayhi yaqul, il a arada ahadukum. Si l'un de vous, quand il veut faire les rapports avec sa femme, yaqul, bismillah. Quand tu dis bismillah, shaitan, il s'écarte. Khalas. Bismillah. Allahumma jannibna shaitan. Allahumma écarte shaitan de nous. Tu parles de toi et ta femme. Allahumma jannibna shaitan. Wa jannib shaitan ma razaqtana. Écarte le shaitan de cet enfant que tu vas nous donner. Le prophète dit, si Allah il leur donne un enfant, c'est-à-dire si la femme elle a ovulé cette nuit même, إِذَا كَانَتْ مَرْأَ حَمَلَتْ فِي تِلْكَ لَيْلَ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانِ. Cet enfant-là, لَا يَضُرُّهُ الشَّيْطَانِ. Prends le hadith, sens contraire. Tu comprendras. فَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنِ مَاذَا قَالَ النَّبِي مَاذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَعْشُ يَبْتَعِدْ. Il se détourne. Il s'écarte. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ قَرِينًا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا. Celui qui s'écarte des invocations de la lecture du Coran, on lui colle un shaitan, c'est son ami fidèle. Oui, il est avec lui. هذا كلام الله ليس كلامي. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. Ça c'est la première des choses quand tu lis pas le Coran. La deuxième chose que tu lis pas le Coran, tu oublies Allah, Allah il t'oublie. On a dit le Coran, c'est les paroles de qui? D'Allah. Les paroles d'Allah. Qui dit les paroles d'Allah? Dit Allah. إِذَا أَنْتَ تَنْسَ كَلَامُ اللَّهِ كَأَنَّكَ نَسَيْتَ اللَّهِ وَلِهَذَا قَالُوا الْعُلَمَا celui qui respecte le Coran, il a respecté Allah. Celui qui l'oublie le Coran, il a oublié Allah. Celui qui se moque du Coran, il se moque d'Allah. Celui qui se détourne du Coran, il se détourne d'Allah. وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ. ولهذا قال الله تعالى نسوا الله. Le premier pas c'est eux qui l'ont fait. نسوا الله. Ils ont oublié Allah. نسوا الله. فأنساهم أنفسهم. Comme ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. ولا تكونوا. Ne soyez pas comme eux. ولا تكونوا كالذين. نسوا الله. فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الخاسرون. La deuxième des choses. الذي ينسى القرآن الله ينساه. La troisième des choses, ماذا؟ ماذا أعد الله سبحانه عز وجل الذي لا يقرأ القرآن؟ من يقول؟ Qu'est-ce que Allah lui prépare؟ عذاب في القبر. عذاب في القبر. بأي دليل؟ الدليل الحديث في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما عرج بي. Quand j'ai vu dans le rêve, ils sont venus deux anges, ils m'ont pris. Le hadith, on l'a traduit plusieurs fois. Rasoul, il est passé devant une personne. Marra ala rajulin, mustalqi ala dhahrihi. Rasoul, il est passé avec Jibril, devant un homme qui était sur son dos. Et un homme debout devant lui, il prend une rochette de pierre et lui casse sur la tête. Yashdakh ra'sahu. Wa ra'sahu yatadahdar. Jusqu'à que sa tête, elle se décapite. Hatta ra'sahu yanfak min al-jasad. Wa ra'suhu yatadahdar. Hein? Sa tête, elle part comme un ballon. Et après, sa tête, elle revient à son corps. Et cet homme-là, il reprend un rocher de pierre.
يأخذ الصخرة ويضرب بها هذا الإنسان. Le prophète a dit, Jibril, même hada. قالوا, انطلق, انطلق, continue, marche. Après, il est passé devant ceux qui font zina, devant celui qui mange le riba, etc. من هذا الرجل? Ou le hadith au Bukhari. من هذا الرجل كان يكسر رأسه? وهذا عذاب القبر, قبل عذاب الآخرة. هذا عذاب البرزخ. لماذا? قال عليه الصلاة والسلام, هذا رجل أوتي القرآن فنام عنه ولم يعمل به. هذا رجل ولدنا القرآن, ني لو لي ني لو براتيك, ينام عنه. فهذا في لا تومب, اون بارل با دو الآخرة, الآخرة جو فو لا دوني. هذا في لا تومب. لماذا؟ لأنه رجل أوتي القرآن. Après, je vais venir aux frères qui ne savent pas lire. Ils disent, on ne sait pas lire. J'en arrive, je ne vous ai pas oublié. والعذاب الأخير يوم القيامة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار الذين كذبوا نحن ما كذبنا لكن الله تعالى يجي أنتم ما كذبتم لكن أعرضتم vous êtes détourné. إذن الله تعالى يجي القرآن سغفو ومن أعرض celui qui se détourne ومن أعرض عن ذكري سغ من قرآن celui qui se détourne ومن أعرض عن ذكري dans ce bas monde فإن له معيشة ضنكا. Je le fais vivre dans ce bas monde une vie pénible comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous. نعيشه معيشة ضنكا, ça c'est fait الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى, et on le fait ressusciter يوم القيامة aveugle. Cet homme là il va dire, يا الله لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que je voyais quand j'étais dunya? Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui répond? كذلك أتتك آياتنا, il t'est venu nous verser, جاءك كلامي, il t'est venu mes paroles, فنسيتها, tu t'es détourné, tu l'as oublié, وكذلك اليوم تنسى, et aujourd'hui aussi on t'oublie. Regardez ce qui nous attend, يا إخوة, إذا نحن نتأخر عن القرآن. إذا نتأخر عن القرآن وثبت في الحديث الصحيح que je vais vous dire tout à l'heure, القرآن يشفع, القرآن il intercède pour toi, صح ولا لا? Vous l'avez entendu le hadith plusieurs fois, يشفع. لكن le contraire, الذي لا يقرأ القرآن, est-ce que le قرآن il va témoigner يوم القيامة et il va se plaindre à Allah? هل هذا القرآن يوم القيامة الذي لا يقرأه ولا يعمل به, هل هذا القرآن يأتيك يوم القيامة ويحاجيك ويجادلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام عن القرآن كما قال لأبي ذر, والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن إما يشفع إما يأخذك إلى النار. هذا الذي لا يقرأ القرآن, ça c'est celui qui ne lit pas le Coran. Et la preuve, vous voyez la communauté du prophète alayhi salatu wasalam, quand il ne lit plus le Coran, il est venu le dernier point, الذي لا يقرأ القرآن, il y a la guerre entre les musulmans. Je ne parle pas des kuffara. La guerre entre les musulmans. Quoi? الذي لا يقرأ القرآن ربي صلت علينا الحق. نعم. Celui qui ne lit pas le Coran, ولا يعمل بالقرآن, Allah il fait que nous les musulmans, on s'entretue. عجيب. C'est ce qui se passe dans les pays musulmans. Hein? ماذا قال النبي? النبي عليه الصلاة والسلام يقول, ومن لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. Si leur président ne pratique pas le Coran, ne pratique pas les lois d'Allah, ne pratique pas les ahkam, comment tu dis ahkam en français? Les jugements. Les règles. S'ils ne pratiquent pas les règles, les jugements d'Allah, Allah Ta'ala, il fait qu'ils vont s'entretuer. Aujourd'hui, vous voyez les présidents comment ils sont? Ils ne veulent pas pratiquer le Coran. Ils ne veulent pas tout le pays. Ils veulent démocratie. Démocratie, hadith, démocratie, tous les dora alaikum. Cette démocratie-là, tôt ou tard, elle va se retourner contre vous. Comme on voit aujourd'hui, comme vous entendez à droite et à gauche. Ahkum bi kitabillah. إذا أنت تقرأ كلام الله أيها الرئيس. Regardez, je vais vous donner un exemple simple que vous comprenez tous. Prenons l'Arabie Saoudite. C'est le seul pays au monde où on va dire il pratique le plus, on va pas dire tout, mais il pratique le plus les lois islamiques. صح ولا لا? السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم الذي تطبق الشريعة أكثر. إن لم أقول كله أكثر. صح ولا لا? C'est le seul pays dans le monde où il y a le moins de حوال. Il y a le moins de catastrophes. Il y a zina. L'adultère, il y a à Saoudia. Mais devant ce qu'on entend dans les autres pays, c'est rien. Il y a l'alcool.
Mais ce qu'on entend devant les autres pays, il n'y a rien. La drogue, il y a. Mais c'est rien devant ce qu'on entend. Le vol, il y a. Mais c'est rien. Limada, barakatul Qur'an. Et le jour où les Saoudiens, comme tous les autres, se reculeront du Qur'an, comme ils sont en train de le faire en ce moment, le jour où ils reculeront du Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala rendra l'Arabie Saoudite comme les autres pays. الذي ينسى الله الله ينساه الذي ينسى القرآن ينسى الله والذي ينسى الله كيف الله سبحانه عز وجل يذكره كما الله تعالى يقول في الحديث القدسي ما أقل حياء ما أقل حياء شو الجنة غابة خشبة الغنفسي ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي ما أقل حياء. Quel manque de pudeur envers la personne qui l'espère. Ma aqallu haya man yatma fi jannati. Celui qui l'espère, mon paradis, alors qu'il ne veut pas m'adorer, il ne veut pas pratiquer. Comment voulez-vous que je sois clément avec cette personne qui est avare envers mon adoration? Kayfa ajudu bi rahmati ala man bakhila bi ta'ati. Falihada ya ikhwa, shufu al-muslimin kayfa tarakna. Walihada al-Qur'an hada ya ikhwa. من أشراط الساعة parmi les signes de la fin du monde, يرفع هذا القرآن من الأرض. Ce Coran, il va être levé de la terre. إلى أين؟ يرجع إلى الله. كما قال العلماء منه بدأ دالله إلى commencé sa descente. من بدأ بنزول القرآن؟ الله هو الذي أنزله علينا وإليه يعود. C'est à lui qui revient. أمانة. أمانة وليس أمانة. أمانة. Taïb ya ikhwa, mais toi c'est bien beau toutes les paroles que tu as dit là, mais nous on ne sait pas lire. Tu ne sais pas lire, ya akhi, le Coran, premièrement tu dois faire des efforts à apprendre le Coran. Walakin ya akhi, tu ne sais pas lire le Coran. Aqal shay, istami' ila le Coran. Istami' ila le Coran. Al malaika, ils aiment écouter le Coran ou ils n'aiment pas? Qu'est-ce qui me prouve que les anges, ils aiment écouter le Coran? Surat la caverne, ça ne vous dit rien? Mithal. هذا أسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف فنزل نور il est descendu une lumière et son cheval il était à côté أسيد et son cheval quand il a vu la lumière il commençait à gigoter ou je ne sais pas comment vous dites hein? à s'agiter وابنه يحيى il était à côté le bébé il était à côté du cheval فأسيد il avait peur que le cheval il frappe à coup de sabot le bébé فكان يقرأ أسيد إلى لميغ الدسان يلدسان يلدسان حتى توقف أسيد خاف خاف على ابنه فذهب إلى النبي وقال له يا رسول الله عجيب يا غي سيباسين إذن ما عجيب قالوا ماذا قالوا كنت أقرأ سورة الكهف سورة لكافيرن كنت أقرأ سورة الكهف سورة لكافيرن الذي تنجينا من الدجال سورة لكافيرن كيف نزيك أختي دل فتنة الدجال لسورسي الدزيم سورسي ولهذا قال النبي من قرأ عشر آيات من أول وفي رواية من آخر سورة الكهف عصم من الدجال الدجال يبغى غيان كنت فتوى الذي يقرأ كل جمعة كل جمعة يقرأ 10 versets si tu peux en tirer c'est mieux minimum les 10 versets les premiers Allah te protégera de la fitna de l'antichrist الدجال فهذا أسيد أخبر النبي قالوا يا رسول الله أنا كنت أقرأ القرآن ف حصل مني نور شفي اللمير فتوقف قال له النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده ججور يا أسيد لو أدمت على القراءة سيتو ريكونتنوي القراءة هذا تلك الملائكة تنزلت القرآن ساسي لزانج يسون ديسندو بور القرآن تليزي القرآن يسون ديسندو سيتو ريكونتنوي أليغ يا أسيد حتى تصبح. Si tu l'aurais continué à lire jusqu'au matin, la ra'aha an-nas, les gens, ils auraient vu les anges ayanan des yeux. Al malaika tanazzalat lil Qur'an, malaika tuhib tasma' al Qur'an. Kama thabata fi al hadith yawm al jum'ah. Il y a deux anges qui se mettent devant la porte, ils écrivent le premier qui est venu, le deuxième, le troisième jusqu'au dernier. Fa idha qama al imam yakhutub, quand l'imam se lève, il commence son discours, tawwiyat al suhuf, il ferme les livres, wastama'u ila al dhikr. فالملائكة إزام يكوت القرآن نبي نبي إلا بيكوت القرآن نعم النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى صحابي كيس كي مغابل سونو أبي بن كعب بارك الله فيك أبي بن كعب
فقال له النبي يا أبي الله بعثني أو الله أمرني أن تقرأ علي القرآن. قال له أبي يا رسول الله كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ Comment je te lis le Coran alors que c'est toi, sur toi il est descendu? قال النبي إني أحب أسمعه من غيري. J'aime l'écouter de autre que moi. إذن النبي il aime écouter le Coran. Allah il aime écouter le Coran. من يجيب؟ الله أعلم. تفضل. جاء في الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد الله يحب القرآن ما من سورة الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين الله تعالى يتغيبون بعد الاستماع أبقي كدي يكوتي كما قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم الله لا يكوتي يلا سبحانه عز وجل تأكسوسي. فجاء في الحديث الله أشد أذنا. Allah il aime surtout prêter écoute. Allahu ashaddu udhnan lin nabi husn as-sawt yataghanna bil Quran ou lin nabi fi riwaya yataghanna bil Quran. Allah il aime surtout entendre un prophète qui lit le Coran. Allah il aime écouter le Coran. Wal malaika il aime écouter le Coran. Wal rasul il aime écouter le Coran. Wal jibal la montagne il aime le Coran. Quand il y a une des montagnes ou une des pierres, تسمع القرآن, qu'est-ce qu'elle fait? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا يا إخوة, tout ce que j'ai cité devant vous, ils aiment écouter le Coran. Et c'est pour ça que les compagnons sont donnés dans le Coran. كانوا جميع الصحابة نساء ورجال والأطفال كانوا يحبون القرآن يعملون بالقرآن يحفظون القرآن يبلغون القرآن حتى أحبوا الله الله أحبهم tellement ils ont écouté le Coran, lit le Coran, ils ont aimé Allah, Allah les a aimés. Et là, je vais vous donner les récompenses de celui qui lit le Coran. Alors, Allah Ta'ala t'a créé musulman, tu es sorti du ventre de ta mère, tu ne sais pas où est le droit chemin. Hein? أنت ولدت ولا تدري أين الصراط أين الطريق المستقيم فالله تعالى يقول لك عبدي je vais te montrer le premier chemin. Le premier chemin là c'est le Coran. Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه il n'a aucun doute. Après Houdan je te montre le chemin du Coran. Le chemin du paradis c'est le Coran. Oui mais Allah il n'y a pas de lumière. Ah tu veux la lumière? Tu veux la lumière pour éclairer ta route? أنت تريد النور الضوء حتى تستبين طريقك أو سبيلك تريد النور فالله تعالى تجي القرآن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا الله سماه نور وأنت تمشي تيكليرسي تا فوا أنت تمشي والله سبحانه عز وجل تجي maintenant que tu as su le chemin et que ce qui t'éclaire le chemin c'est le Coran il faut que tu le lis. فقال عليه الصلاة والسلام خيركم celui qui dans le chemin il est éclairci mais qui le lit الذي هو في الصراط وهو في الطريق ويقرأ القرآن هذا رجل فيه خير والحديث عن عثمان في صحيح مسلم خيركم من تعلم القرآن خيركم le meilleur de vous c'est celui qui dans le droit chemin et pour être dans le droit chemin commence à lire le Coran فأنت تبدأ القرآن فالناس يقولوا هذا فيه خير هذا lui oui lui il est dans le droit chemin il n'y a rien à dire. Et plus tu lis dans le droit chemin, et plus Allah Ta'ala t'augmente les hasanat. Comment? Al-Hadith an ibn Mas'ud. Qala alayhi salat wa salam man qara'a harfan min kitab Allah. Regarde Allah comme il est noble. Regarde Allah comme il est généreux. Regarde Allah comme il est clément. Ma qala celui qui lit une parole. Ma qala Allah celui qui lit une phrase. Allah il a dit celui qui lit une lettre. من قرأ حرفا من كتاب الله فله الحسنة والحسنة بعشر أمثالها. Enfin, regarde, un tafik al-khair, maintenant Allah Ta'ala te récompense pour t'encourager. Il te dit, chaque lettre que tu lis dans le Coran, chaque lettre, je te donne 10 hasanat. Il faut là que la personne se motive. Bada al-insan, yatanashat al-qira'a, wa yaftin, wa yabda yaqra, wa yabda yaqra, wa yabda yaqra, hatta yartafi'a, hatta yartafi'a. Faqala alayhi salatu wa salam, celui qui lit le Coran, il est en train de monter. Ajib, naam.
قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام. الله avec ce livre il élève des gens. Il élève des gens, يرفعهم بالكتاب. Tellement ils aiment Allah, ils les élèvent. Ils ont aimé le Coran, ils aiment Allah, Allah les élève. Comment quelqu'un dont Allah il l'aime, il est là sans bas? تتصوروا أنتم واحد الله يحبه يتركه في الأسفل؟ لا. هذا رجل يقرأ القرآن فيرتفع. Parce qu'il aime Allah, Allah il veut l'élever à lui. فالرسول يجي Allah Ta'ala il élève avec son Coran des gens et il rabaisse des gens. Vous savez qui c'est ceux qui rabaissent. وبدأ هذا الإنسان يرتفع ويرتفع jusqu'à qu'il arrive à un degré. قال عليه الصلاة والسلام tu sais que toi tu es tellement monté haut que toi tu deviens tu viens par rapport à Allah, tu viens aimer comme les anges très proches d'Allah. تكون كالسفير للرئيس أنت تكون في درجة كسفراء الله. Tellement tu es monté jusqu'à que le prophète dit Al-Mahiru bil-Qur'ani ma'as-safarati al-kirami al-barara. As-safara c'est qui? C'est les consuls d'Allah, les ambassadeurs d'Allah. Allah Ta'ala a créé des anges, des milliards et des milliards, et Allah Ta'ala il en a rapproché des anges, il en a écarté. Parmi les anges qu'Allah s'est rapproché de lui, c'est les anges qui s'occupent du Coran, qui s'occupent de transmettre le Coran, qui s'occupent de d'écrire le Coran, qui s'occupent de descendre avec le Coran. فهؤلاء الملائكة, ils sont très proches d'Allah. فالرسول te dit dans ce hadith, si toi tu lis le Coran, tu lis, أنت تكون قريب من الله كهؤلاء الملائكة. Tu vas être très proche d'Allah comme ces anges ils le sont envers son Seigneur. الماهر بالقرآن, celui qui lit bien le Coran, مع السفرة الكرام البررة. Donc la personne il était très bas. Regardez où il est arrivé à un degré. Regardez bien ce qui va lui arriver en haut, dans le sommet. وهو الفوق. انظروا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فوق. فقال كل الناس يتكلم عجيب. Cette personne عجيب. Avant c'était un clochard. Il fumait le shit. Il buvait mon frère. Wallah. Regarde comment il est devenu. Et le prophète عليه الصلاة والسلام il va vous dire dans un hadith. هذا الرجل. Il est devenu bon. Bon extérieurement et bon intérieurement. هذا رجل طهر نفسه خارجا وداخلا داخليا وخارجيا. Ça c'est quelqu'un qui est devenu bon comme un fruit. Prenez l'exemple d'une pomme ou une orange, peu importe. Il est devenu bon. C'est pour ça qu'il est monté en haut. ولهذا قال النبي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة. En vérité, l'أطرجة c'est le coin. Ça ressemble à une poire. On l'appelle dans la langue française le coin. Mais supposons n'importe quel fruit qui sent bon, qu'il est bon. فهذا الرجل كان يقرأ القرآن صار. Il est devenu comme un fruit. Il sent bon. Les gens, ils aiment l'odeur de la pomme. Ils aiment l'odeur de l'orange. فكذلك هذا الرجل, les gens, ils l'aiment. Pourquoi? Grâce au Coran. Ça, c'est l'extérieur. Et l'intérieur, le fruit, la pomme, tu l'aimes. Et l'orange, tu l'aimes. كذلك هذا الرجل طيب. Il est طيب de cœur et طيب des membres. بسبب القرآن. Par contre, le musulman qui ne lit pas le Coran, c'est comme une date. C'est bon, c'est khair, muslim. C'est pas parce qu'il ne lit pas le Coran, je parle pas de celui qui se détourne. Hein. C'est pas parce qu'il ne lit pas le Coran qu'on le sort de l'islam. Lakin ma fi khair, kathir mit al-awwal. C'est comme une date, kat tamara. Hada la yaqra wa la yasma. Regardez hada comme il est devenu bon. Et tellement il est en haut, il est devenu bon. Hatta Allah ta'ala yji hada abdi uhibbuhu wa adhkuruh. Allah Ta'ala dit ça, c'est mon serviteur, il est spécial celui-là, moi je l'évoque. Ana adhkuruhu, uhibbuhu. Uhibbuhu, limadha tadhkuruhu ya Allah? Lianna hadha ar-rajul kana yadhkuru Allah. Tellement tu es dans un sommet très haut, jusqu'à qu'Allah Ta'ala t'évoque, Allah yadhkuruk. Wa hadha al-hadith fi sahih Muslim an Abi Huraira. Majtama'a qawm. Il n'y a pas un groupe de gens qui se réunissent dans une mosquée ou dans une maison des maisons d'Allah pour le Coran. Pour lire le Coran. Majtama'a qawm fi bayti min buyuti Allah yatluna kitab Allah aw yatadarasunahu. Ou bien ils apprennent le Coran ou ils apprennent la science du Coran. Allah il leur donne quatre faveurs. Illa nazalat alayhim as-sakina. L'augmentation de foi, elle descend sur eux, la sérénité. As-sakina, Allah yusakkin qalbak wa yutamminhu. Wa ghashiyatuhum ar-rahma. Allah yarhamuk. Allah Ta'ala il te bénit. Celui qui le lit, Allah il le bénit. Celui qui l'écoute, Allah il le bénit. Alladhi yaqra al-Qur'an, Allah yarhamu. Walladhi yasma' al-Qur'an, Allah yarhamu. C'est pour ça que les frères derrière le tarawih fait l'imam, ne perdez pas patience. Tant que tu es en train de prier derrière l'imam fait le tarawih, fa anta marhum. Tu es
Tu es sous la clémence d'Allah. Léan Allah Ta'ala قال وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ce groupe de gens qui s'est réuni dans la mosquée, 1. Allah il fait descendre sur eux la sérénité. 2. Allah il les comble de clémence. 3. Les anges les entourent. تَحَفُّهُمُ الْمَلَائِكَ. Malaika, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ils aiment écouter le Coran ou non? Eh bien là c'est pareil, tu es en train de le Coran, les anges t'entourent. Allah yathkur haoulay nas, comme vous là, vous êtes dans la mosquée, tous, Allah il est en train de vous évoquer un par un. Ça veut dire quoi il vous évoque? Allah il est en train de se vanter de vous devant les anges. Allah yathkurukum. Et pourquoi Allah yathkurukum? Par rapport au Coran, qui est tellement atteint un sommet, hatta Allah yathkuruk. Et ça ne suffit pas, non seulement Allah Ta'ala t'a aimé, et Allah Ta'ala il t'évoque. Et troisièmement, regarde jusqu'au point, écoute bien ce hadith parce que il fait plaisir. Ce hadith, malgré que tous les hadiths font plaisir, لكن هذا الحديث il est touchant. ماذا قال؟ قال قال عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله. Allah Ta'ala il respecte. Allah il fait honneur. Allah يقدر. Allah يبجل. Allah يعظم. ثلاثة. Trois sortes de personnes. Le président ou le responsable de la famille qui marche droit. Imam muqassit. Imam, ça comporte le grand président, le petit de la prière, ou toi le responsable de la maison. Imam muqassit. Wahid. Wa shaybatul muslim. Les vieux, qui ont des poils blanches. Les vieux âgés. Allah, il les respecte. Allah, il les respecte. Toi, tu ne les respectes pas? Tu leur manques le respect? Même s'ils sont dans l'erreur? Allah, il les respecte, je le dis dans le hadith. Il est sahih, regardez les jardins vertueux. Dushaybat al-Muslim. Et le troisième, Hamil al-Qur'an. Hamil al-Qur'an. Celui qui connaît le Qur'an par cœur, Allah, il le respecte. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas qu'Allah Ta'ala te respecte. Allah Ta'ala dit, et en plus, ils font partie de ma famille. Famille, vous m'avez compris. Famille, comme toi, tu aimes ta famille, un amour, pas comme tu aimes les autres gens. كذلك الله لم لجان ذو القرآن باكم لم لزطر إن لله أهلون وأهل الله هم أهل القرآن وخاصته الله إلى une famille إلى famille d'Allah c'est les gens du Coran. Ça veut pas dire qu'il aime pas les autres musulmans. ولكن l'amour qu'Allah porte à ceux du Coran il n'est pas comme les autres. إن لله أهلون وأهل الله هم خاصته ولهذا يا إخوة. Cette dunya qui est tellement montée, Allah Ta'ala il va te faire la même chose yawm al-qiyama. Il va te dire, mon serviteur, tu te rappelles, tu étais très bas. Et tu as écouté quand ils te sont venus les versets, ja'atka ayat, fa anta istama'ta ila qawli, et tu as commencé à lire, et tu es monté, et tu es monté, et tu t'es purifié, jusqu'à que tu atteins un sommet très haut. Mon serviteur, je vais te faire la même chose. Adkhul al-jannah. Et lis comme tu lisais cette dunya. Iqra. Tu as vu comme tu lisais cette dunya? Tu as vu comme tu aimais le Coran fait dunya? Iqra ya abdi. Lis comme tu lisais fait dunya. Ta dernier étage au paradis, ce sera le dernier verset que tu évoqueras. Walihada qala an-nabi alayhi salatu wa salam yaqulu li ahadina yawm al-qiyamah. On va nous dire yawm al-qiyamah chacun de nous. Iqra, iqra, wartaqi, warattil kama kunta turattil fi dunya. Kunta turattil? Huna Allah va te faciliter à turattil. Turattil, c'est-à-dire lire. Tu lisais? Aujourd'hui, on va te faciliter à lire. Tu ne lisais pas? Tu nous as oublié. Aujourd'hui, on t'oublie. Iqra wartaqi. Et en plus, j'ai sauté un obstacle. De yom al-hisab. Hatta ya'ti al-Qur'an. Comme on a dit tout à l'heure, il te rentre à l'enfer. Il te rentre au paradis. Ya'ti al-Qur'an. Yishfa' li sahibihi. Ja'a fil hadith sahih an buraydata. Wal hadith fi musnad imam Ahmad. Tu sors de la tombe. Tukhruj min qabrik. Yatalaqaka al-Qur'an. Ala surati rajul. Il te rencontre le Coran avec l'apparence d'un homme. Il y a quoi avec Ata'arifuri? Toi, tu vas dire non, je ne te connais pas. Il y a quoi avec Anal Coran? Anal Ladi Manatuka Mensahri Layali. Anna, Bisababi Kunta Tasharu Layali. Par rapport à moi, tu passais des nuits blanches, comme on dit nous. Et je t'ai empêché beaucoup de désirs. Faliyaoum Itba'ni. Suis-moi. Aïna, tu me prends où? Itba'ni, suis-moi. فيذهب به القرآن والقرآن يكلم الله القرآن يبقى parler à الله يبقى يا الله حله أبيله يا الله أبيله أكسيه يا الله
فالله سبحانه عز وجل يلبس له تاج فوق رأسه ضوءه كضوء الشمس. والحديث صحيح. Il est authentique. Lisez-le dans les targhib ou targhib, les exhortations et les avertissements. Regarde, vous dites. Hein? فيقول القرآن يا ربي حله فيوضع لك كورون سور تا تيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا لوميير كال ديغاج سيت كورون سي كوم لا لوميير دو سوليي. Et quand on t'a mis le trône, quand on t'a mis la couronne, al Quran yukallim Allah marra thaniya, yaqul ya Allah zidhu halli fa yuhalla hullatayn min al janna lam taqum lahumad dunya. On va lui donner deux habits, ad dunya entière, si on rassemble la richesse de dunya entière, tu peux pas les acheter ces deux habits. Thumma al Quran une troisième fois, il dit ya Allah arda anhu, sois satisfait de lui. فالله سبحانه عز وجل يقول إني رضيت عنه فالقرآن يأخذ صاحبه ويدخل به الجنة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا أسوسي أبوكا بوغتوا شفيعا لأصحابه. ولهذا يا إخوة لازم ولا بد أن نرجع إلى القرآن والأمة يا إخوة la communauté du prophète quand elle s'est reculée du Coran il y a plus rien. الله تعالى يجي فوفولي لا دينيتي تريدون العزة. الله سمى القرآن عزة قرآن عزيز. Tu veux la sagesse, سمى الله القرآن حكيم. Tu veux la hauteur, الله تعالى يقول لك عليك بالقرآن. Et quand la communauté, même si on parle pas de la communauté, minimum أنت يا عبد الله أنت ارجع إلى القرآن reviens à القرآن. Il y a pas d'autre issue. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de secours que en revenant vers toi, ya Allah. Qui dit revenir vers toi, ya Allah, revenir vers le Coran. لا ملجأ. اللجوء. Issue de secours, ما فيه. لا ملجأ. ولا منجا. Pas de secours. لا ملجأ. ولا منجا منك. Se secourir de toi, il n'y a pas moyen, ya Allah. Tu veux t'enfuir où? Aïn. Oui, trop. أينما تكونوا يدرككم الموت. Où tu vas? Tu montes. Allah te le dit ici. Et le prophète te dit dans le dua. Pas d'issue de secours. Et personne ne peut te secourir d'Allah que en allant vers Allah. لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبالنبيك الذي أرسلت. ندعو الله سبحانه عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يقرئنا القرآن وحتى يصير هذا القرآن في قلوبنا وفي جوارحنا. وندعو الله سبحانه عز وجل أن يميتنا على الإيمان ويميتنا على السنة وإن شاء الله نحيا على السنة وإن شاء الله نموت على السنة والله تعالى إن شاء الله في الجنة نحشر مع السنيين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك أبخي لابخي غد العشاء يا إخوة يا أفخار كيفية صدقة إن شاء الله في أغوبا وزيتو سنبيتي إن أبليه قد لي فيها الدعاء إن شاء الله فاتلكم دعاء سورتو كالكوشوش كلي في بليزير إن شاء الله يمير أبانو.